Or, ce rêve était à ce moment-là, même pas de chanter, pas du tout. C'était de projeter mon rêve à l'extérieur, qui est un phénomène de compensation. En termes cliniques, ça a des mots beaucoup plus effroyables que ça. Et enfin, prenons l'expression de Duhamel et d'autres gens qui ont dit bien avant ça, Ibsen en parlait aussi. On essaie, finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là, ou d'aventure, ou de... Il sait. Tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. Et maintenant, je sais que c'est comme ça. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper. Et je préfère plonger, moi. Et je plonge. Voilà. J'ai très peur, mais j'avoue que j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins. Mais ce besoin que tu as... C'est pas un besoin, non, je trouve ça normal. Oui, c'est ça, bon. C'est marrant parce que quand je pense au mot tendresse, je pense aux hommes. La tendresse est un mot qui s'applique infiniment plus aux hommes. Parce que la tendresse est un jeu, comment dirais-je, égalitaire. C'est un flux, mais entre deux pôles qui sont à égalité. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de... Le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre,
l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Il y a une forme d'exhibitionnisme. Eh bien, il faut l'assumer. Il faut dire je veux bien. Bon, j'ai choisi d'être exhibitionniste. Avec des intentions, si tu veux, morales ou philosophiques, peu importe. Mais tu dois assumer cette fonction-là à l'état primaire, si tu veux. Tu es simplement, il arrive un moment où toutes tes intentions sont gommées par ton activité exhibitionniste. Ils n'aiment pas. Ben, c'est bien fait pour ma gueule. J'avais qu'à pas le faire. C'est très moral. Non, c'est très moral. Et puis les gens ont parfaitement le droit de ne pas aimer. Bon sang. Oui, oui. Tu crois que je les aime tous? Moi, j'essaye de les aimer tous, mais j'y arrive pas. Mais dès que tu es ce qu'on appelle en position de pointe, si tu veux, il faut très bien admettre qu'un certain nombre d'individus ne peuvent pas te souffrir, ne peuvent pas t'encaisser. C'est très moral, oui. c'est très normal. Alors, je ne dis pas que ce soit plaisant, mais c'est pas la fin du monde. Quoi. C'est comme ça.